depuis un an, on voit trois grands mouvements. On l'a vu à travers cette première table ronde. Il y a un premier mouvement, c'est l'accélération. Je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'enfoncer des portes ouvertes que dire que tous les grands groupes du CAC 40 ont compris que c'était stratégique de se transformer. C'était stratégique de se transformer avec le digital. Et pour ça, ils se sont armés, ils se sont organisés. Il y a des CDO, il y a des comités stratégiques digital. Il y a aussi des nouveaux investissements. Il y a une augmentation nette des investissements dans le digital au sein du groupe du CAC 40. Et troisième élément, on a aussi, comme on en a quand même vu ce matin dans la première table ronde, commencé à industrialiser l'écosystème. Donc cette accélération, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement qu'on a noté, c'est l'élargissement du champ de la transformation digitale. Il y a un an, on a quand même beaucoup parlé du front office, de la relation client. Nous, quand on accompagne un certain nombre de grands clients du CAC 40, on s'aperçoit que le président, la direction générale, nous demande de travailler de plus en plus sur l'efficacité opérationnelle, l'amélioration de la performance, la rentabilité, et aussi le volet RH. Donc on a véritablement, et ça c'est un vrai point important, l'élargissement du champ qui passe du front office, relation client, vers les opérations, vers la transformation du métier et du savoir des hommes et des femmes constituant les groupes. Et le troisième élément important, c'est qu'il y a maintenant une vraie mesure, un vrai pilotage de la rentabilité du digital. C'est fini l'époque où le PDG ou le DG ou le COMEX donnait quelques dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros selon la taille du groupe pour investir dans le digital sans avoir réellement où ça allait et comment ça allait transformer le groupe et comment ça allait améliorer la profitabilité. Là maintenant on veut mesurer et on veut que le digital c'est fait pour faire du business et c'est pour faire de l'argent.